te dérange? Me parle! On a un suspect sur l'affaire de Sergi. Ah bah je crois que c'est une bonne nouvelle. Tu m'appelles les autres? On fait ça tout de suite? Super, génial, j'adore. Bon, non, l'avocat. Mais on n'est pas aux States. Ouais, mais moi je connais mes droits, moi. On a rien à foutre de tes droits, mais il est con quand même. Bon, on a trouvé ça. Sous ton joli lit superposé. T'as quel âge? Hein? 11 ans? Je vais pas t'acheter un petit lit simple comme tout le monde. C'est pas moi. Le lit? L'argent. Donc toi là, vu d'œil, t'as au moins 25 ans et tu me dis que tu dors dans un lit superposé. C'est pour optimiser de la place. Oh, regardez-moi ce pipo. La casa del pipo. Comment ça m'énerve. Bon, vous êtes venu pour parler de mon lit là ou À la base non, mais c'est vrai que ça laisse un libre cours à certains questionnements sur certains de tes choix de vie là, mon coco. On n'a pas tous la chance de vivre dans le luxe hein, déjà. Ça n'a rien à voir. Il n'y a vraiment aucun rapport. Donc là, tu vas me dire que cette liasse de billets n'est pas à toi. Tout à fait. Alors c'est à qui? À Daronne. À ta mère. C'est ça. L'argent est à ta mère. C'est ce que je viens de dire. Et comment se fait-il qu'elle ait autant de liquide sur elle? L'argent de la CAF. Bien sûr. Ils font pas de virement? Ça dépend de la demande. Donc là tu vas me dire que ça n'a rien à voir avec une histoire de trafic de stupéfiants quoi. C'est exact. Et ça c'est quoi hein? La farine à pancake? Je sais pas ce que c'est. C'est pas toi ça je suppose. Très perspicace. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça faisait dans ta chambre? On essaie de me piéger. Pourquoi quelqu'un voudrait te piéger? Parce que je suis quelqu'un d'influent. Et tu roupilles sur un lit superposé. J'ai dit que c'était pour optimiser de la place. C'est quoi ton nom déjà? Chris. Chris, hein? Oui, c'est ça. Je vais te bousiller. Je vois un avocat. Et moi, je vais te balafrer la gueule. Mais j'ai droit à un avocat. T'auras rien du tout. Tu l'es. Oh, du coup, t'es jamais allé dans le bâtiment? Jamais. Bah écoute, c'est bizarre parce qu'on a trouvé une vidéo sur Yandouton en train de cacher de la cocaïne. Eh bah j'aimerais bien voir ça. Bah écoute, ça tombe très bien parce que... C'est pas moi. Bah si, regarde, c'est toi là. Pas la peine, c'est pas moi. Bah regarde quand même, là on voit... C'est pas moi. Bah, t'as même pas regardé la vidéo, comment tu peux... Parce que je viens de vous dire que je suis jamais allée dans ce bâtiment, donc c'est sûr que c'est pas moi. Enfin, on enfonce des portes ouvertes là, ma douce. Bon, il est tard là. Ok, on est tous très fatigués. Pourquoi, vous avez un truc important à faire la carrière après? En tout cas, toi, c'est sûr que non, hein. Je te demande pardon. Bah, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'amis. Ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, t'as l'air un peu seul. Bon, écoutez, il est tard, on est tous très fatigués et je t'avoue qu'à cette heure-ci, la nuit des balles se perdent. Quoi, parce que vous allez me tirer dessus, la carrière? Yo, attendez. Bon, Philippe, Makayabou, foutez-moi ça dehors, ça va m'arrêter un peu en cellule. Bon, on y va, dit, let's go! Attends, allez, on y va!